On dit les enfants savent courir mais ils ne savent pas se cacher. C'est fort. Ah ouais, c'est la fin du film là. Nous on attend. Parce que Bala, comment aussi Bala là, ils vont le mettre derrière les barreaux. Il y a ça aussi. Les Idi Amin, tout ça. Donc là, il m'a dit en train de préparer comment il va se débarrasser de ses amis d'hier. Ceux qui l'aident aujourd'hui à asseoir son pouvoir. Comme lui, il veut montrer au monde entier qu'il est blanc comme neige. Déjà, il a fait venir encore plus d'éléments de force spéciale pour sa sécurité. Moi, je vous ai dit, là, il m'a dit, c'est un instinct de survie. C'est un instinct de survie. Il n'est pas là pour le peuple. Là, il m'a dit, elle est là pour sauver sa tête. Là, il m'a dit, c'est ce qu'il a fait le 5 septembre. Et bien avant même le 5 septembre, ces histoires de drogue. Mais quand il s'agit de lui, sa tête, il s'en fout de quelqu'un. Donc, Bala est devenu sacrifice de là, il m'a dit. Il va tout faire, sacrifier Bala. Idi Amin aussi. Il lui a fait ce que les Ivoiriens disent en angoplan. Il lui a mis ministre de la Défense plein. Bon, la suite, vous allez voir ce qui va venir. Donc, pour faire tout ce travail, il fait venir encore plus d'éléments de la Légion française, les anciens, ses amis. Parce que ceux-ci ne vont pas lui faire de coup d'État. Beaucoup sont autour de lui. Mais pour renforcer sa sécurité, parce que oui, il veut faire un nettoyage de la manière il n'a pas pu démanteler totalement Bata, et c'est ce qui va se passer. Les noms vont, ils vont citer les noms. C'est pas seulement 17 personnes qui étaient sur le terrain le 28 septembre. Donc, il y a beaucoup de noms encore, les officiers en activité actuellement qui vont tomber. Parce qu'on vous a parlé de là, il m'a dit, vous n'avez pas compris. Vous savez qu'il a fait le coup d'État, juste un instinct de survie. Vous n'avez pas compris. Vous avez dit non, c'est lui le démocrate. Les discours, on va lutter contre la pauvreté, on fera ceci, cela. Nous sommes où aujourd'hui? Nous sommes où aujourd'hui? Qui n'a pas sacrifié? D'abord, il a trahi son bienfaiteur. Est-ce que c'est Idi Amin ou bien Bala Samoura les mettre à la poubelle? Là, il m'a dit s'en fout de ça. Là, il m'a dit s'en fout de ça. S'il y a quelqu'un qui a fait l'éloge, l'élevé, c'est le professeur Alpha Condé. Il n'a pas eu de pitié pour le professeur Alpha Condé. Vous pensez que c'est Bala ou bien Idi Amin que là il m'a dit. Lui, il cherche toujours à se rendre propre, montrer aux gens que lui, il est démocrate, il est juste, mais lui-même, il oublie où se trouvent les corps du 5 septembre. Mais donc, pour le faire, il s'en fout. C'est un instinct de survie. Donc, Bala Samoura, Idi Amin, il ne s'agit pas de vous reconduire, c'est là qu'il m'a dit. Affaire du 28 septembre, là, ça n'a même pas encore commencé. Vous avez vu le colonel, bienvenue. Comment on procède? On les appelle, vous venez. Je vous ai dit, là il m'a dit, ce pays-là, l'armée, la population, un, il va nous diviser, il va appauvrir le pays tant que ce bandit est à la tête de notre pays, tant que ce légionnaire est à la tête de notre pays. Asseyez-vous. C'est comme un père de famille, il est assis. Il est lui, il est tranquille. Asseyez-vous. Ce n'est pas là, il m'a dit. C'est vous, l'armée. C'est vous, l'armée. C'est vous qui avez accepté le bandit, là, le 5 septembre. Quelqu'un qui trahit son bienfaiteur, Aïka ici, Nafia, Woulefari. Vous êtes resté assis. Mais le professeur Alpha Condé, lui, il est tranquille en Turquie. Il mange bien, il prie bien. Et ce qu'il a fait pour son pays, ceux qui sont reconnaissants envers lui vont le reconnaître. Mais vous, le reste là, asseyez-vous. Combien de généraux humiliés, sans mesure d'accompagnement, aucune fête pour dire non, vous avez servi la nation, comme ça se passe partout. Il vous a jeté la poubelle avec des promesses. Asseyez-vous, ce n'est pas encore fini. Vous qui êtes encore actifs, le colonel, asseyez-vous. On dirait qu'il n'y a pas de conseil militaire. Un bandit sort de nulle part. Un bandit, un narco. Il vient trahir son bienfaiteur. L'armée n'avait rien à voir dedans. Vous êtes resté assis. Il n'est pas l'émanation du peuple. Le peuple, personne n'a voté pour lui. Vous regardez, même ceux qui ont applaudi hier sont tous fâchés aujourd'hui.
Asseyez-vous. Non, on ne va pas. On connaît Anda Falignere. Le jour à venir, elle est ici. Mais Katala, Albeda, il faut encore. Là, il m'a dit, là, il n'est pas bête. De, quand il s'agit de défendre son intérêt, là, il n'est pas bête. Il sait comment pousser les pions. Mais vous, vous êtes assis, non? Asseyez-vous. Troya Malbofonoba. Nyagba Malbofonoba. Konorafri Malbofonoba. Alalsi, Nafia, là, là, il m'a dit, un bandit de grand chemin, qu'est-ce que lui va apporter? Alalsi, nous, on vous a tout dit ici. Qu'est-ce que moi, j'ai dit ici à Maké? Qu'est-ce que le général vous a dit ici? Côté militaire ou quoi? Que Laïmadi n'a pas fait concernant les juges ou tout. Donc, aujourd'hui, même les amis de Laïmadi, ils pensent qu'il est psychopathe. Voilà. Ses amis pensent qu'il est devenu fou. Et d'abord, les Karamoko lui ont dit que ça ne va pas marcher. Ses marabouts lui ont dit, hé, hey, tu vas tomber. Et ça ne va même pas durer. Donc, Laïmadi, lui, il est prêt à tout. Tout gâter. Tout gâter. C'est proche même. Ils disent que Laïmadi est devenu psychopathe. Ça ne va pas dans sa tête. Et regardez comment il ne fait qu'éliminer les jeunes là-bas. Kouyaté, Petit Diané, l'autre, Karim Souma, Dante, tous ces gars de force spéciale, ils doutent de toi, c'est fini. Aujourd'hui, ils préfèrent être proches des légionnaires que de mettre des Guinéens. Mbrao Falignane, mais allez Alci. Tous ceux qui ont applaudi, Nka Falignane, là il m'a dit, ma procès tout iromino. À ma côté, biche, à ma côté, sini. Allez Alci, allez à comme fait un bouton. Lui-même, tout ce qu'il voulait, il dit non, il faut ramasser tout le monde, envoyer à la cour pénale. Lui, c'est ça. Pour qu'on cite des militaires, on arrête. Il est prêt à mettre l'argent. Les hommes forts de Bata, on arrête tous ces gens. Les Idi Amin, les Balala, tous ces gens-là, les politiciens, ils disent, les cellules hautes, là, ceux qui ont organisé, là, j'ai dit, ça ne va pas dans sa tête. Il s'est dit que lui, il va être conscient. Il va être tranquille dans sa tête. Et comme tous ces gens sont là-bas, peut-être que lui, il va bien asseoir son pouvoir. Donc, asseyez-vous. Allez, Alci, brebreke. Ça, c'était pour prévenir les autres, là. Maintenant, l'affaire du préfet de Siguiri. On a vu encore... non, Charles Wright, wallahi, le gars, là, il a un sérieux problème. Après son séjour avec sa copine, qu'il a enceintée, maintenant, il est rentré au pays. D'après lui, oh, les gens sont contre lui. Ma santé, toi, tu as menti devant tout le monde que toi, tu partais en Espagne. Et toi-même, tu es sorti encore, tu as dit que tu as quitté Analoumé. Mais nous savions où tu étais. Tu étais allé voir la petite. Voilà. Ça aussi, c'est entre parenthèses. Il est rentré, il adore le show. Partout, du jamais vu. Vous ne verrez même pas au Sénégal, le ministre ou le procureur. C'est-à-dire, on ne sait même pas s'il y a un procureur de la République. Charles Wright aime les caméras. Charles Wright aime le nom. Hé, hey, la Guinée Djelilou, les Djelis de Conakry, là. Pardonnez, chantez pour Charles Wright. Pour que la population et les gens puissent respirer. Les Djelis qui aiment chanter le nom des gens, pardonnez, dites le nom de Charles Wright. Charles Wright aime le nom. Tordouma Charles Wright. Charles Wright veut toujours être au devant des faits. Pardonnez. Au Fanga Sigisa Charles Wright Besson. A Barakobiri Soto. Au Moussa Mini. Parce qu'en Amérique, Torofé, Yeli, Alabé, au Charles Wright Matoro. Miri Nara, Anudoronaki, Akhli Moufara. Moi, je vous ai dit qu'il n'était pas malade. Asigara Nyengen en Fora, Espagne. A Woule Fala Sori Kamineur. Charles Wright qui est malade. Miri Nara Fura, c'est comme ça, lui, il parle. Mais Nara Fourar a déjà animation qu'on les communiquant. Comment elle se comportait. Voilà, il parlait de liberté d'expression. Nara Obechal Moufourar de Nyenge Surinara, en quelle Espagne. Il a enceinté une copine là, en Guinée. Cette dernière est partie là-bas. Donc, en Sigar Nanantodi. Petite Narara, à Charles Wright en Jérémane propre. Voilà. Parce que, Kamere Mouyagi, il n'oublie pas Guinée de Médier Fora. Nata, et Jérémane propre. Donc, l'affaire du préfet à Mambra poursuite lancée. À l'époque, ce n'est pas le ministre qui lançait des. Au moment que lui, il était procureur, c'était lui qui lançait les mandats tout. Le ministre, personne n'entendait le ministre. Mais regardez lui aujourd'hui. Il fait le boulot du ministre. Il veut qu'on parle de lui. Il veut qu'on parle de lui. C'est lui maintenant. Il dit oui. Des poursuites contre le préfet de Siguiri. Qu'il y a des étrangers là-bas
Vous vous rappelez, moi, quand je vous parlais comment ils ont vendu les terrains, les mines de Siguiri. Vous vous rappelez lorsque je vous parlais de ça. J'ai dit les proches de Doumbouya. Vous vous rappelez de ça maintenant. Maintenant, ils ont vu que oui, il n'y a pas de rendement, rien. Là, il m'a dit, commence, parce qu'au début, chacun était chef. Il a pris le pouvoir, il a changé tout. L'administration, il l'a mis à terre. C'est devenu seulement Palais Mohamed V qui contrôle tout. Mais ce qui est caché dedans, je vais vous dire, les machines dont on parle, son ami Bill Condé, le seul civil, d'ailleurs, Bill Condé, c'est quelqu'un, un proche de Doumbouya. Tout ce qui a à faire ou quoi, l'argent qui a été volé à la présidence, celui qui a escorté, ceux qui sont allés prendre même des soudeurs pour venir enlever le coffre-fort, c'est le Bill Condé. Ceux qui étaient au Rwanda tout récemment pour voir Kagame, c'est le Bill Condé. Il a plus de 20 machines dans les mines là-bas. Bill Condé a plus de 20 machines. Au lieu de fatiguer le préfet, il y avait un autre préfet qu'on a démis il n'y a même pas si longtemps. Le préfet qui est arrivé, je crois, Souma, maintenant c'est lui qu'on veut sacrifier pour montrer à la population. Moi, je vous ai dit, ils sont dans la séduction. Ils ne sont pas dans l'acte. Ils ne peuvent rien faire pour le peuple de Guinée. Tous les caisses sont vides. Il faut justifier, il faut trouver des moyens pour endormir la population, pour faire croire qu'ils sont en train de bien faire. Au moment que nous étions en train de dénoncer les contrats qu'ils étaient en train de signer, Bill a plus de 20 machines. Les Chinois, vous pensez que les Chinois vont quitter Conakry pour aller à Siguiri sans trouver des accords à Conakry, des papiers signés? Est-ce que c'est le préfet qui donne l'autorisation là? Les gens là vont quitter à Conakry, descendre en Guinée. Venez voir le préfet qui vient juste d'arriver. Les machines étaient là-bas. Les chantiers étaient déjà là-bas. Mais c'est le pauvre préfet qu'on vient de nommer après le préfet coiffeur à Siguiri qu'on sacrifie. Je vous ai dit, c'est des enfants, c'est des bambins. Ils n'ont aucune notion de la République. C'est-à-dire, là, Charles Wright, lui, il est dans cette séduction. Faire croire, oh oui, nous on est venus, et l'argent du peuple, on va faire ça, la transparence. Des bandits réunis, on a vu lui-même devant, c'est-à-dire le colis des narcos qu'ils ont changé. Lui, Charles Wright, il allait brûler poudre de manioc en plein centre-ville à Anta pour nous faire croire que non, oui, maintenant, ici, ceux qui parlent comme nous, qui les dénonçons, que non, ceux qui parlent de l'affaire de drogue, ici, c'est fini. Mais chaque jour, c'est 3, 4, 7 tonnes et 7 kilogrammes de cocaïne qui est saisie à l'aéroport de Conakry. C'est malhonnête comme ça. Là. Maintenant, le préfet, on sacrifie, on fait croire. Mais ceux qui ont signé le contrat, ceux qui ont envoyé les Chinois à Siguiri, on ne parle pas d'eux. C'est le pauvre préfet. C'est le pauvre préfet qu'on sacrifie pour montrer aux Guinéens qu'eux, ils ne sont pas dans la corruption. Pourtant, les corrompus sont à Conakry. Ce n'est pas le préfet. Si l'ordre vient, vous vous rappelez comme au temps de Mbemba Bangoura, lorsqu'il parlait de Farana, comment il recevait les ordres des commandants, hein, de ses supérieurs à Conakry. Qu'est-ce que le pauvre préfet a dit dans ça? Mbemba l'a dit, le procès devant Dadis, vous vous rappelez, Farana, lorsque les narcos, là, les complices des narcos, ordonnaient la descente des avions à Farana. Mbemba nous a expliqué cette méthode, comment ça marche. Le préfet, qu'est-ce qu'il a à voir dedans? L'ordre vient de Conakry, qu'est-ce qu'il peut? Hein? Donc, voici le pauvre préfet aujourd'hui, dans le collimateur de Charles Wright, qui cherche toujours à blanchir, à rendre ce gouvernement propre. Mais la tête même est pourrie. On vous a demandé ici, hein? On vous a demandé tout simplement, nous on vous a tout simplement demandé de présenter vos biens. Vous ne l'avez pas fait. Vos gars sont en train de construire à longueur de journée. Il y a deux bâtiments qu'on vous a montrés. J'aurais appris que je vais vous montrer ces bâtiments. Je ne sais pas si je les ai ici. Les deux bâtiments que j'avais déjà publiés. Voilà, minute. Là, il m'a dit, franchement, c'est la merde. Qu'Allah nous sauve. Hein. Voilà, je l'ai retrouvé. Ces deux bâtiments, j'aurais appris
que c'est pour des proches du professeur Alpha Condé. Mais tellement qu'il est animé de haine. Hein? Non, fils de l'Ombali, les Laïmadi. Tellement que Laïmadi est animé de haine. Le pouvoir, tu peux avoir la force. Et même cette force-là, c'est grâce au professeur Alpha Condé, tu l'as eu. Aujourd'hui, tu es animé de haine. Laïmadi, si tu n'es pas intelligent, sage dans la tête, là, un beau matin, on va se retrouver. Tu vas être comme Robert Guéhi. Mets ça dans la tête. Parce que tu as déjà débordé. C'est gâté. Toi, tu es venu. Là, il m'a dit, tu as restitué les cases Bellevue à la famille de feu Ahmed Sékou Touré. Tu as donné ça. Aucun Guinéen ne s'est levé. Et si Lansana Conté, père son âme, avait rasé le terrain là, comme toi, tu as fait au terrain de Seloudalé. Je vous ai dit, il ne s'agit pas de vous dire j'ai la force. Non. Si tu n'as rien dans la tête, tu n'es pas sage, tu ne peux pas diriger un pays. Tu ne peux pas diriger un chef, un père de famille qui n'est pas sage. Tu ne peux pas. Donc, tout ce qui vous manque là, c'est ça. L'intelligence, la sagesse. Penser que c'est la force, on s'est levé, on a trahi notre bienfaiteur. Si feu Ahmed Sékou Touré, qui avait laissé les cases Bellevue, Lansana Conté est venu, il a récupéré. Il a récupéré les cases Bellevue. Il n'a pas cassé. Il a plutôt embelli. Il y a des chefs de l'État qui ont logé là-bas. Vous, vous êtes venus. Vous n'avez même pas fait deux mois. Vous avez restitué ça à la famille de feu Ahmed Sékou Touré. Aucun Guinéen ne s'est levé. Et là, c'est Loudalé, sa maison. Le dossier était à la justice. Tu n'as même pas pris le temps. Et pourtant, vous étiez là à chanter. Oh, la justice sera la boussole. Je ne vais même pas parler de mon oncle pour lui à la minière. Mais je vais parler de El Hassel Dali. Au moins, lui, il t'a soutenu. Mais tu n'as pas laissé. Et ce que tu as fait, tu as rasé la maison, aller construire une école là-dessus. Et si Lansana Conté avait construit une école sur l'autre terrain, les cases de Bellevue. Je t'ai dit, tout ce qui te manque là, il m'a dit, l'intelligence. Ikoum, à te barrer là, fait. Ibris, il a couvert les clous, quoi. Mais. Djamana, il te sait. À moyen Tiboro, à l'ONI Tiboro. Les deux bâtiments, ces bâtiments, ça, ce n'est ni sur la route, ça ne représente aucun danger pour l'environnement. Mais tu préfères aujourd'hui casser parce que Conan, que c'est pour des proches du professeur Alpha Condé. Parce que ces gens-là ne vont pas venir, qui s'éminent. Kafoko, à Laïmadi, Antoine Lagné, ou bien Midam. Nyangbeya, Danatimi, Allah, Subhanahu wa Ta'ala. N'oublie pas Laïmadi. L'Andrea, pour que toi tu puisses dormir, Yebola Francis, Watimina. Au moment que tu quittais en France pour venir, tu n'avais même pas où dormir. Il te reste là, Dion, les bras. Laïmadi, quand tu as mis à la tête des forces spéciales, le professeur Alpha Condé, grâce à lui, tu as eu le terrain de l'Andrea, qu'à étage local. Qu'à dim, étage, m'rafignere, une sagesse. Nate massa massa kuno. Non, fentillé. Il n'y vagabond qu'a fait ça, quoi. On t'a conseillé, mais il n'y a qu'un djani. Wama, dans la timine de Kabadjibouya, là, il m'a dit. Et là, quoi, ça dit, toi, matin, midi, soir, tu étais à Bambeto. Chaque vendredi, tu partais. À ce moment, moi, l'oulantere, là, les gens avaient confiance en toi. Tu rentres à la mosquée. Moi, lui, il fait Kadel. Mais Albraye, professeur, il est là comme Adolé. Que plus le singe monte haut, on voit son derrière. Donc, il t'a baraké au Léibi. Nkafouignene. A depuis Adamina. Nkuité na koléka. Tu ne feras rien. Tu n'arriveras même pas au cheville du professeur Alpha Condé. Al-Tchekadjan. Tous les chantiers en cours. Financement, c'est le professeur Alpha Condé. Regarde aujourd'hui. Ça dit, on attrape le docteur Kassouri. Même Anaïm, celui qui est au niveau de Anaïm aujourd'hui, les contrats, ils ont dit, c'est un contrat de logement qu'ils vont donner. Les Papa Fofana, ils sortent plus de 500 milliards de nos francs. Quand je vous disais que les caisses étaient pleines, lorsqu'il y a eu le coup d'État, je vous ai dit, le professeur Alpha Condé, c'est l'un des rares présidents. Il s'est battu
L'État, on avait plus de 9 mois de réserve. 9 mois de réserve. C'est-à-dire l'État avec les crises. C'est pourquoi on a eu toutes ces crises-là. L'État s'est en sorti. Parce qu'il y avait des réserves. C'est comme l'homme, tu sors le matin, tu vas chercher à manger. Si tu n'as pas d'économie pour donner à ta femme demain, et tu sors aujourd'hui, ça ne marche pas. Tu sais que directement, il aura crise dans la maison. Il aura crise dans la maison. Le banabana qui part au port pour trouver 20 000. Tu arrives là-bas, le camion dont tu dois travailler là-dessus, le camion en panne. Eh bien, si on ne te donne rien, tu vas rentrer bredouille à la maison. Donc, le FAMAL, c'est ce qu'il avait préparé pour notre pays. Ces réserves-là, quand ces bandits-là sont venus, ils ont tout liquidé. C'est là où vous entendez rénovation, rénovation, les danses. L'honorable Ahmad Damaro, c'était une année. Les 15 milliards dont on parle, ils venaient juste de finir, de rénover l'Assemblée. Tout le monde a vu les images, on a publié. Les bus, mais ils sont venus faire des factures. Juste parce qu'il y avait l'argent. S'il n'y avait pas d'argent, ils n'allaient pas sortir. Mais je vous ai dit, c'est des gens, ils n'ont aucune notion de la République. Il fallait liquider. Ils sont quelqu'un qui quitte l'Europe, des vagabonds qui étaient assis aux États-Unis ici, des vagabonds en Europe. Ils sont tous rentrés directeurs au Canada pour être des directeurs, des ministres. Donc, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Les Papa Fofana, des bandits recherchés ici aux États-Unis. Les Ahmed Durak. Les Djiba qui sont conseillers. Regardez les dépenses qu'ils ont eu à faire en si peu de temps. Parce que partout où eux, ils partaient, oui, c'est les proches de l'Aïmadi. Donc, quand ils demandent le décaissement, paf, on donne. 500 milliards. Donner un marché de gré à gré. Pourtant, on disait, oh, on disait tout sur le FAMA. On disait tout sur le FAMA. Eux, c'est le projet là qui est là. On ne sait même pas. Ils ont décaissé. L'argent est parti où? On ne sait même pas. Où est le projet? On ne sait pas. Et les Papa Fofana, ils vont se trouver avec des opérateurs économiques. À Paris, des gars que j'ai connus, qui étaient avec le pouvoir du professeur Alpha Condé, ils vont se partager l'argent des Guinéens. C'est-à-dire, on monte des faux projets, ils font sortir l'argent. Parce que oui, c'est Papa. Papa, c'est qui? C'est un grand de Doumbouya. Papa, quand il parle, oui, les nominations, beaucoup sont passées par Papa. Donc c'est comme ça, leur trafic d'influence, ils sont sortis. Et je vous dis, des bandits recherchés, les Ahmed Durak, ici aux États-Unis. Ce sont ces bandits-là aujourd'hui qui occupent des postes de responsabilité dans le gouvernement guinéen. Avec tout ça, les autres sont en prison. Bon, Alama tient de maintenant. Bon, il y a une vidéo. Vous savez, il y a des gens, ils sont nés, ils ne connaissent pas la honte. Wallahi, Alma Maloyalo. Na la, Alma Maloyalo. Aliefola, femma ko Maloya. Alma lo. Femfe. Ni adamadenda fa ko Maloya. Aluma ou l'on fefe. Ils n'ont pas honte. Ils continuent toujours à mentir. Minute là, la famille. Envoie-moi la vidéo là, pardon. Ici. Envoie-moi la vidéo, je suis en direct là. Ici. Il y a une vidéo que je vais vous montrer, vous-même vous allez voir. Vous savez, Modolou, hein, Albaragnade, hier, il fallait les voir parler. Le pouvoir du professeur Alpha Condé. Fente Alma Misro, il n'y a pas ceux qui n'ont pas eu. Il n'y a pas ceux qui n'ont pas eu. Mais aujourd'hui, hein?
Donc lui, on dirait Altal, il y a ma frère Dubalina, quoi. On dirait qu'il ne se regarde pas dans le miroir. C'est eux qui parlent de nos cadres aujourd'hui. Alou le Kumala, docteur Kassourou Limabi. Alou le Kumala, monsieur Oye Gilavogi Lumabi. Ibrahim Kouroumalou. Alou le Kumala, Alou Mabi. Ko. Attendez, hein. Je vais vous faire. Je ne voulais pas lui donner de la valeur, mais quand ça atteint un certain niveau, il faut parler. Écoutez. Alou Mangantini. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le malinqué, que quelqu'un a dit au mois de janvier que Dr Kassouri allait être libre, qu'ils allaient sortir à manifester certaines choses. Mais ce gars que vous voyez, pourtant Charles Wright, il est tout le temps là à gueuler. C'est pourquoi je ne l'aime pas, gros. Quand les gens disent que je suis sévère avec Charles Wright, moi je le dis, c'est un bavard. Pourtant lui, il parlait, il faisait des menaces. Les réseaux sociaux, les menaces. Moi, j'assume mes propos ici aux États-Unis. Il y a de ces propos, je ne dirai jamais. Il y a de ces propos, je ne dirai jamais. Parce que je sais que ça peut me rattraper, même ici aux États-Unis. Même ici aux États-Unis, il y a de ces propos. Mais, vous-même, écoutez ce que ce dernier dit ici. Que... Donc, quand quelqu'un lui a parlé de la libération de Dr Kassouri, lui dit que c'est comme si vous êtes en train de rêver. Est-ce que tu sais qu'on a vraiment piqué Dr Kassouri, c'est-à-dire l'empoisonné, que d'ici il va sortir, que... Voilà, vous savez, on ne dit pas tous les mots. Donc, Charles Wright, il est là. Il parle des réseaux sociaux. Il voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. De tels propos graves. On a vu Luceni. Comment Luceni est décédé à la maison centrale. Mais lui, il se sent libre. Il ne se gêne même pas. Il insulte nous, nos mamans ici. Nous, on vient en critique. On n'insulte pas maman de quelqu'un. Parce que d'abord, notre éducation, ça nous permet pas d'insulter. Mais lui, il est libre. Il insulte comme il veut. Papa, maman des gens, Charles Wright, il voit. Il parle pas. Il vient encore dire devant tout le monde, devant les Guinéens, parce qu'il est figure publique aujourd'hui, il dit ce qu'il veut. Mais parler, de dire que oui, on a piqué Dr Kassouri, il ne va pas s'en sortir dedans. Allah, 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 on ne savait pas que oui, effectivement, il doit dire avec qui ils ont fait ce travail. Il doit dire avec qui ils ont fait ce travail pour dire ils ont piqué déjà, parce qu'il a déjà dit qu'ils ont déjà piqué Dr Kassouri. Que d'ici janvier, c'est ce qu'il a dit. Mais Charles Wright, on ne prend pas d'action contre eux. C'est le Guido Fulbert. On traite de tout. C'est le Guido Fulbert. Des mandats d'arrêt. Ils ont fait ça. Donc, franchement, c'est grave. Et c'est ces mêmes personnes encore qui viennent mentir ici. J'ai vu encore une des vidéos que non. Moi, j'ai appelé le professeur Alpha Condé, ni professeur Alpha Condé Kumala, Kako, quand le barabo est Djanama, Abaradou Arguine. Hein, Allah. Comment on peut
être âgé de la sorte, tu as des enfants qui ont même âge que nous. Tu viens t'asseoir devant les gens. Qui si ka via fo? Quoi, allez ni professeur comment là? Ko bientôt quoi nato? Quoi dit que mosquée Faisal al mamie? Non mais dolte maloya la de abra flako maloya dolma maloya la de abra flako ka cela ka via fo na dolma olo. On a entendu encore d'autres ici. Kono Fakar Sawani Turquie dolwane alukunko bere la de. Mais comme Turquie, Mombo Kawa Turquie, Obewani Prosal Alpha Condé le Yela. Quand ils ont vu le Prosal Alpha Condé, Dolou, Moussou Bakorolo Korondou, qui ici, Facebook là, because Albert Serekere, Kono, Ko Fakarsa a appelé en vidéo, Koulou ni Prosal Kumala. Altesla Alanya. Altesla Alanya Kosaya Ketoli. Alay la Kola il m'a dit la pouvoir, mais quand on te yorololi. Almiré la Kola, le pouvoir de bandit là, ça va aller quelque part. Alain Blancouno, quand le professeur Alpha Condé, il n'a même pas démissionné. Hé, hey, pouvoir est Allah le bourreau. Allez, attendez. Sinon, Aldé de Douro et à Londola. Alkoumaka, mais nous cossons. Vous n'allez même pas parler au Guinéen. Eh, mettez en tête, là, il m'a dit, c'est pas un parti politique. Là, il m'a dit, il n'a pas été élu par le peuple. Là, il m'a dit, Adissé Bana et Wati Bé. Alda Landikounou, là, il m'a dit, Kobraba. Mais Alislan Alanyé. Comment des gens peuvent s'asseoir, mentir, dénigrer le professeur Alpha Condé? Que eux, ils ont échangé avec le professeur Alpha Condé. Il lui a dit, on l'a enlevé au en enfer, on le met. Allah. Pourquoi on peut mentir de la sorte? Pourquoi vous continuez à mentir? C'est-à-dire, vous, pour mener le combat de l'Aïmadi, il faut mentir sur nos responsables. Il faut mentir sur nos responsables. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. Essayez d'arrêter ça un peu. Allez d'abord là, quoi. Allez d'abord via là. Mara fali nyano. Là, il m'a dit quoi? Ayalu le nyano koubaye. Là, il m'a dit d'abord, à l'antémoi là. Il y a 30 éléments. Ses anciens amis de la Légion française. Qui doivent venir. Je ne sais pas s'ils sont déjà rentrés. Parce que oui, le ménage qu'il veut faire au niveau de Bata, l'affaire du 28 septembre, il y a des gens qu'il veut arrêter, il veut profiter maintenant. Il veut renforcer sa sécurité. Il a acheté des armes. Là, il m'a dit, moi je vous ai dit, là, il m'a dit, il est dans un instinct de survie. Il n'a pas fait le coup d'État pour la démocratie. La vie, sa vie était menacée. L'affaire du drogue. Vous avez vu le dossier. De l'affaire de drogue. Moussa Moïse, là, vous pensez qu'on a pris le bébé Apoutchou parce qu'il est intelligent que tous les journalistes? On a pris le bébé Apoutchou parce qu'il était l'inspecteur. Enquête, affaire drogue. Vous avez tous suivi dans le bar café de Guirassy. Donc, il en sait beaucoup. Et même le jour du coup d'État, il a vu beaucoup. C'est pourquoi ils ont fermé la bouche du bébé Apoutchou, lui mettre là-bas. Celui qui se dit directeur, je ne sais pas, de DCI, bah, ou bien quoi. Il est plus fort même que la RTG aujourd'hui. Si Moussa Moïse, il ne dit pas l'image de l'Aïmadi là, ça ne passe pas à la RTG. C'est lui. La télévision, c'est Moussa Moïse. Tout. On lui a donné l'argent qu'il veut. Il a même pris des petits communicants. Des gens même qui étaient avec le RPG hier. Donc, il y a tout ça. Donc, Alel Sabari quoi? Mensonge là. Aliou Douba là quoi? Aliou Douba là. Là, il m'a dit, Ayakoune Karana, affaire de drogue qui était là, le professeur Akissé Bep, Fama, la présidence déjà était au courant. Vous avez vu Mamadi Kaba, qui a été arrêté au Mali, extradé en Guinée. Il a cité les noms de là, il m'a dit. C'est son grand. Vous pensez que là, il m'a dit, a obtenu le bâtiment, là, comment? De Kakimbo, les 12 étages, là. Comment? Et vous ne savez même pas. L'affaire Bakala. Demandez ses amis. Quand tu demandes les amis de Bakala, les proches de Bakala, que Bakala s'en idée, que non, il était au téléphone avec quelqu'un lui devait. Quelqu'un lui devait. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est là qu'il m'a dit. Ils ont pris, ils ont arrêté le colis de Bakala.
Maintenant, comme Laï m'a dit, il était dans les forces spéciales, on lui a dit, va récupérer ça pour nous. Ce sont ces grands. C'est pourquoi le problème de la Guinée aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Laï m'a dit, Charles Roy était connerie, là, ils sont en train de faire croire aux gens que le gars, c'est un démocrate, un bandit de grand chemin. Il allait retirer le colis de Bakala. Mais comme il connaît l'affaire, il connaît le produit, il connaît la valeur, lui-même, il est dedans pour ça. Laï m'a dit aussi à détourner. Il a détourné aussi une partie du colis de Bakala. Mais comme c'est son petit, aujourd'hui il a la force, il est dans le gouvernement, il a la tête des forces spéciales. Les petits de Bakala, ils sont allés chercher le colis avec Laï m'a dit. Mais la quantité que Bakala avait dit à ses petits, ils n'ont pas trouvé cette quantité. Ils ont appelé à grand. On a reçu, mais ce n'est pas la quantité que vous avez dit. Directement, Bakala, il a pris le téléphone. Il a appelé là, il m'a dit. Ça s'est mal. Là, il m'a dit, ça s'est mal tourné. Bakala s'est énervé. Ça dit, d'abord, il était le gars. Là, il m'a dit, en Hollande, là, quand on dit qu'il était en Hollande, il était le bodyguard de Bakala. C'est son grand. Il était le bodyguard de Bakala en Hollande avant qu'il ne parte en France pour rentrer dans la Légion pour chercher les papiers. Parce que même là-bas, il était recherché là-bas en Hollande. Donc, Bakala s'est mis dans tout son état. Il n'a pas supporté. Il a piqué une crise. Et c'est lui qui a organisé le transfert de Bakala dans un hélico. Ce qui s'est passé dans l'hélico, Dieu seul sait. Ce qui s'est passé dans l'hélico, Dieu seul sait. Alors Bakala, c'est là-bas la fin de Bakala. Transfert dans un avion médicalisé, fin pour Bakala. Donc quand je vous dis la Guinée, là, si on doit combattre le gars, là, le narco, là, le bandit, là, combattons Laï m'a dit. Laï m'a dit n'est pas la solution pour la Guinée. Là, il m'a dit, c'est fausse l'éclat, la Guinée. Là, il m'a dit, c'est proche. Ils ne vont rien faire pour ce pays-là. Vous regardez nos pages actuellement. Ils ont les moyens, ils ont tout fait. Parce qu'ils savent ce qu'on dit. C'est la vérité. Ça les dérange. Ils ont mis les moyens. Ils ont mis les moyens. Parce que ce que nous dénonçons, vous pensez que nous, on prend tout ce risque pour faire ça. Pourquoi? Si on n'aime pas la Guinée, vous pensez que quelqu'un nous paye? Vous pensez qu'on est payé? Vous savez combien on nous a proposé ces bandits-là? Vous savez combien on nous a proposé? On te dit, ce que tu veux, dis-nous, tu nous déranges. Mais nous savions que ça n'arrange pas le peuple de Guinée. Combien de Guinéens? 10 000 fonctionnaires à la retraite sans mesure d'accompagnement. Regardez comment le pays est géré. Décret sur décret. Toi, tu n'as pas été élu. Tu dis, tu vas organiser des élections. Donc, regardez dans quel état. Le gars n'est pas dans l'esprit là pour dire les démocrates, on va organiser le Guinéen qui mérite, il va prendre. Non! Lui, il est en train de sauver sa tête. C'est un instinct de survie. Il est en train de survivre. Là, il m'a dit. On vous a dit ça depuis longtemps. Vous ne voulez pas comprendre. Il est en train de sauver. Regardez les balas là. Il va finir avec les balas. Tous les Idi Amin là. Vous allez voir. Lui, il est en train d'asseoir son pouvoir. Mais comme le Guinéen, nous avons tout le temps fait les manipulations de certaines choses. Vous pensez que c'est l'affaire de FNDC, l'affaire de l'UFDG, l'affaire du RPG? Continuez la démagogie. Eh bien, tout ce que nous avons dit ici, ça s'est réalisé. Mais en bref, il y a un alliant qui sort. Quand on dit manifestation, ce n'est pas UFDG. 2010, là, UFDG, ils sont sortis massivement. Mais qui a remporté? Qui a pris le pouvoir? C'est le RPG. Donc quand vous dites, ah non, ni Fakar Salou Kabo, Alboto, pour Seloudale. Manamana Kouma, elle est où? Manamana Kouma, où est la Seloudale aujourd'hui? Où est la Seloudale? C'est ce que je vous ai dit. Nko Laï m'a dit, Akoumbente, Akoumderangeni. Nko Laï m'a dit, Kaz Bellevue, là. Si l'ancien raconté était comme lui, là, il n'avait pas de sagesse. Il allait raser les cases Bellevue et faire ce qu'il veut là-bas. Construire des hôtels ou bien des grandes maisons. Mais là, ça n'en comptait plus tôt. Il a entretenu. Lui, il est venu. Il n'a pas arraché dans les mains de l'État pour donner à la famille de Sékou Touré. Donc, la maison de Ella Seloudale,
Si lui aussi il était intelligent là, de la manière il était en train de chanter, oh la justice sera la boussole. Est-ce qu'il avait besoin de raser la maison pour construire des... Je vous dis, là il m'a dit animé de haine. Les deux bâtiments que je vous ai montrés, non loin de Sheraton, tout simplement que c'est des proches du Proust Alpha Condé. Ça les appartient. Donc il faut faire descendre ces bâtiments. L'État donne des milliards à des gens pour avoir des bâtiments. Pourquoi ces bâtiments qui sont déjà finis, ce n'est pas mieux de dédommager ces familles et prendre ça au compte de l'État? Mais il n'y a pas l'intelligence. Il y a tout sauf l'intelligence. Il pense que tout est la force de la manière il s'est levé pour aller contre son bienfaiteur. Et cette force, c'est grâce à qui? C'est grâce au professeur Alpha Condé. C'est grâce à des gens que lui, il est en train de liquider, des gens comme Alia. Et tous les groupes de Alia, ils sont où aujourd'hui? Tous les éléments de force spéciale qui ont participé, lui, à son coup d'État, ils sont où? Ce n'était pas l'armée. Je vous dis, le gars, c'est un profiteur. Tous ceux qui étaient là, le jour de son coup, ils sont où? Les petits Diané, les Kouyaté, les cabinets. Dante, tous ces gens-là, ils sont où? Ils sont partis. Même le monsieur Sacrifice, Léon Bangoura, il est où aujourd'hui? Monsieur Sacrifice.